Salut tout le monde, c'est Lord Hydra et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Brawl Stars. Aujourd'hui, pack opening pour la sortie de Nani. On va essayer de se le débloquer parce que si on va dans Brawler, c'est le Brawler le moins rare qui me reste à débloquer. Parce qu'après, c'est des mythiques et des légendaires et bien sûr Gaël en chromatique. Du coup, il me reste Nani en épique et du coup, franchement, les pourcentages de chance sont assez hauts. On va tout de suite le regarder. Alors, du coup, on va ici, hop. Et on peut voir 0,5. Donc c'est plutôt pas mal. Bon, on n'a pas un énorme pack opening non plus. Parce que pour l'instant, j'ai un compte free to play. Mais ça peut changer parce que je vous rappelle aussi que aux 50 abonnés, j'achète tout le Brawl Pass avec toutes les récompenses. Du coup, on a vraiment pas mal de méga boîtes. Et surtout Gaël. On a Gaël et ça, c'est cool. Ça fait un brawler gratos, quoi. Du coup, comme vous pouvez voir, on a deux petites boîtes, une grosse boîte, des points de pouvoir et une méga boîte. Désolé, mais là je suis en vidéo, alors du coup on va mettre ne pas déranger. Et on est parti directement, on va pas perdre plus de temps, on est parti avec la petite boîte. Imaginez, on a un brawler dans la petite boîte. Non, ça serait trop beau. Allez, grosse boîte, c'est parti. Là, il y a moyen. Surtout que 49 pièces. Alors je sais pas si vous savez, mais moins vous avez de pièces dans une grosse boîte, plus vous avez de chances d'avoir un brawler. Alors on va voir, trois objets restants, pas de clignoting, c'est pas grave, ça fait toujours de... Bon, ça augmente les pourcentages de chance aussi, ça fait des points de pouvoir. La petite boîte, rien, de toute façon il fallait pas s'attendre à grand chose. Là les points de pouvoir, on va se les mettre pour... qui? Darine, en vrai, je peux me les mettre pour Léon, allez. On est parti avec Léon. Il est bientôt pouvoir 9 d'ailleurs mon Léon là. Ça c'est assez cool. Il reste plus que, bah, plus que 100 à peu près. Et là la méga boîte. Là on est sur du lourd les gars. Attention. La méga boîte. Est-ce qu'on va avoir quelque chose? Attention et... Chiffre 5. Chiffre 5. Alors tout n'est pas perdu. J'ai déjà vu des youtubeurs avoir... des brawlers avec un chiffre 5, mais c'est tellement rare que... Ah, on va s'ouvrir. Hein. Ah, on a des points star pour, des points de pouvoir pour Léon. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool déjà. Attention, peut-être un knioting, on sait jamais. Et non. Bah, de toute façon, voilà. C'est pas grave, c'est pas grave, allez. Ah, on a des doubleurs de jetons à la limite. Ça, ça peut être cool. Ça peut être cool. Plus 200. Plus 200 x 2. Ça, c'est quand même pas mal. Franchement, c'est pas mal. Bon, ben, on n'aura pas une Nani dans ce pack opening. J'en ferai un pour une prochaine vidéo de pack opening. Si vous voulez, du coup, un énorme pack opening, le plus gros qu'il y aura sur ma chaîne, du coup, depuis le début, partagez cette vidéo, dites à tout le monde de s'abonner. Comme ça, aux 50 abonnés, on va pouvoir se défoncer ce Brawl Pass. En tout cas, du coup, ben, pas, pour pas vous laisser là-dessus sur un truc pas réussi, je pense qu'on va se partir en solo avec... Poli, tout simplement, puisque bon, j'aimerais bien la mettre en 20, c'est le dernier brawler qui me reste à mettre en 20. On va se faire une ou deux parties, voilà, juste pour en faire un peu de gameplay, pour, voilà, sinon je vais pas vous laisser avec un tout petit truc. Du coup, on est parti, voilà, première game, hop, on va commencer, on déboîte la première boîte, on va aller un peu vers le mid, on va voir ce qu'on peut faire sur cette game. Alors Poli, franchement, j'ai pas du tout la jouer, je suis super nulle avec elle. Ben c'est pour ça que c'est le seul brawler que j'ai pas en 20. Tout simplement. Mais j'aimerais bien me mettre en 20 parce que franchement ça ferait un compte assez stylé avec tour en 20. J'ai pas très bien pré-shot ou je ne sais quoi. Voilà, mais c'est pas grave. Alors, la Billy, elle est toujours dans ce buisson. Par contre, la Billy, elle va super vite. Hein, franchement. Ils l'ont buff là, il n'y a pas si longtemps que ça. Et franchement, je sais pas s'ils auraient dû. Elle était déjà assez forte, mais là, franchement, elle est OP, simplement. Si on peut avoir cette boîte là. Oh bah, elle s'est fait défoncer. Ah bah, le Jin qui va défoncer la BA. C'est bien précis, s'entretue, ça nous fait gagner des places. Là, on a le petit Wally. En vrai, on peut se le faire, je sais pas. Je sais pas trop, il a combien de gemmes. On va rester ici, à l'écart. On va rester là. Hop, je... Ah non, c'est le jean qui l'a eu, c'est pas grave. On va rester là, on va tempo. On est plus que 5. Si on peut viser le top 3, ça peut être cool. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ce buisson?
Non. C'est bon. Ah bah, c'est bien. On est sur le podium. Ça, c'est cool. Ça fait gagner pas mal de trophées. On va continuer si on peut faire le top 2. Déjà, le jean, il aura la win, à mon avis. Je pense pas qu'on aura le top 1, mais bon. On va continuer. Par contre, là, voilà, c'était sûr qu'il y avait quelqu'un dans un mission. C'est pas grave, les gars. Top 3, c'est très bien. On prend les plus 6 trophées. Ça fait plaisir. Voilà, on a presque le rang 18. Franchement, si on peut se refaire un top 3, ça peut être cool. On est reparti in game. On va essayer de se faire un top 3 pour avoir notre poli rang 18. Et ça, c'est cool. Alors, on va ouvrir cette boîte ici. Ah, il y a un boule inactif ou troll. Voilà, bien sûr, il troll. Hop, lui, on l'a eu. Le boule, du coup, il est dans le buisson. Ah, il est tout au bout. Si on peut essayer de se farmer un petit ulti là sur lui, ça peut être cool. Hop. Ah non. C'est raté. Là, il est pris dans un coin. Ouh, lui. Lui, si on peut se le faire. En vrai, non. On va se contenter du boule. Hop, on va se barrer. On prend pas de risque, tout simplement. On prend pas de risque. Nous, on vise le top 3. C'est tout ce qu'on veut. Top 3. Top 3, c'est cool, hein, franchement. On va tempo, hein, bah, voilà. Et franchement, Pouli, je vais pas faire des games de fou. Je la maîtrise pas très bien. J'aurais pris une Shelly ou un truc du genre, mais... Franchement, Shelly, je la tryhard, vraiment. J'aimerais bien la mettre en 25 cette saison. Alors, commenter en même temps que je la joue, franchement, je suis pas un pro-gamer. Alors, je vais pas tenter des trucs comme ça. Je préfère jouer avec des brawlers pas trop forts, voilà. Rang 20 maximum. Ah, il y a un col dans ce buisson, je crois, où il s'est barré. On va rester là en attendant de voir ce qu'on peut faire. Bon, par contre, là, il y a un petit lag, mais c'est pas grave. Ah, c'est cool, ça en a le top 3, les gars, rang 18. Alors, le Colt, il est là-bas. Colt, monsieur M. Il y a moyen qu'on fasse la top 2, en vrai. Il y a moyen. Qu'on fasse le top 2, plutôt. Hop. Oula, on lui a mis pas mal de dégâts. On s'est farmé un ulti, c'est-à-dire qu'on peut s'échapper quand on veut, là. On est plutôt bien. Top 2, ça ferait plaisir, franchement, parce qu'on aurait plus que rang 18, on serait un peu mieux. Là, on va tourner, on va pas l'emmerder, lui. Voilà, je vais laisser aller fight. Oh, magnifique. Oh non, j'ai à mettre mon ulti. Ah, dommage. Ah, franchement, je pensais pas que j'allais réussir à le tuer, lui, franchement. C'est pas grave. On a quand même le top 2, le rang 18, et puis la quête qui se fait en même temps. C'est cool. Bon, bah voilà. En tout cas, pour les objectifs d'aujourd'hui, c'est bien. Hop. On se met assez bien. On a déjà 120 jetons en plus. Franchement, ça va assez vite. Donc, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager et à vous abonner. Ça me ferait énormément plaisir. Et